Bonjour à tous et puis bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Philippe Beclossa, je suis entrepreneur web et je suis dans le milieu de l'entrepreneuriat, dans la vente de formations ou des produits d'information sur Internet. Et il y a quelques jours, j'ai fait une formation qui est 100% gratuite, qui vous a expliqué en fait en détail comment vous pouvez réaliser votre business. Aujourd'hui, je veux faire en fait une étude de cas de ce que je propose dans ma formation gratuite. Donc, je vais vous présenter une personne qui le fait, mais qui le fait en Europe. Voilà, il faut savoir que de la même manière, le système est opérationnel en Europe. Je vais vous montrer en fait quelques éléments qui vont vous permettre de pouvoir réaliser ce même type de business, même si vous êtes en Afrique. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Je vais laisser aussi toutes les informations pour me contacter si vous voulez aller un peu plus loin. Mais mieux, en fait, je vais laisser dans la description de la vidéo un lien qui va vous permettre d'accéder en fait à une formation de presque 1h30 qui est 100% gratuite, qui vous apprend vraiment à réaliser le système dont je vais vous parler ici. Voilà. Donc, la personne que je vais vous montrer aujourd'hui s'appelle Sonia. Elle est dans ce qu'on appelle le coaching sportif, fitness, etc., etc. Elle a beaucoup de followers sur Instagram. On va voir, je vais ouvrir son Instagram, si ça peut s'ouvrir ici. J'ai ouvert son Instagram, vous allez voir, vous allez pouvoir le trouver. Elle parle de fitness, d'entretenir son corps, comment faire pour avoir un corps de rêve, etc., etc. Donc là, comme vous pouvez le voir, elle a combien? 1,8 million d'abonnés. 1,8 million de personnes qui la suivent. Voilà, à ces 1,8 million de personnes qui la suivent, elle fait en fait des coachings, elle présente comment est-ce que entretenir son corps, même après une grossesse, etc., etc. Et comme je vous l'ai dit dans une de mes vidéos, en fait, ici, l'idée, c'est de pouvoir faire de l'argent avec son contenu. Elle est coach, c'est vrai, à propos du coaching. Mais à côté de ça, elle a des produits qu'elle propose en vente. Voilà. Et sa plateforme, c'est une plateforme qui est réalisée avec Shopify. Si vous êtes en Afrique, vous ne pourrez pas peut-être utiliser le même système parce qu'il sera un peu compliqué pour vous d'avoir les processeurs de paiement qui sont PayPal et Stripe. Voilà. Mais par contre, faut bien comprendre le problème, le système ici, parce que moi je vous l'explique vraiment en détail sur comment faire lorsqu'on est en Afrique pour pouvoir réaliser pratiquement le même système. Donc, comme vous le voyez ici, en fait, elle propose des e-books, des programmes d'entraînement qu'elle met ici. Là, vous pouvez voir, elle fait à 39 euros. Et vous voyez, il y a beaucoup de promesses. Elle parle un peu du détail de ce que la personne qui va prendre cette formation va obtenir. Voilà. Et il y a plein d'autres produits qu'elle propose aussi, en l'occurrence comme ça. Voilà. Donc c'est une manière de en fait faire de l'argent sans forcément être actif sur sa plateforme. Donc c'est une plateforme qu'elle a développée. Elle a une application qui permet de suivre lorsqu'elle a une vente. Et puis quand une personne même achète le produit ici par exemple, le produit est automatiquement délivré. Donc, elle n'a pas forcément besoin d'être là de façon constante. Donc, elle génère de cette façon du revenu passif. Je voulais aussi vous montrer, en fait, elle a une chaîne YouTube. Elle a une chaîne YouTube ici que je vais ouvrir. Vous allez voir. Où elle a moins de 10 vidéos. Elle a moins de 10 vidéos sur cette chaîne YouTube-là. Comme vous pouvez voir ici. Mais déjà, vous pouvez remarquer ici qu'elle a 87 000 personnes qui la suivent. Donc là, vous voyez, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6 vidéos. Voilà. Elle est très active sur Instagram, mais elle a seulement que 6 vidéos sur YouTube. Et voilà ce qu'elle a généré ici. Combien d'abonnements. Et je ne parle même pas de. Je vais lire une vidéo, par exemple, pour que vous puissiez voir. Là, vous voyez Vous la pouvez voter, vidéo, par j'espère que exemple, vous a allez bien en ce près de sujet du coup, 1300 cette likes. nouvelle vidéo Donc, c'est du vraiment moment que quelque vous êtes chose, sur je YouTube. coupe le son Et pour ne bon, pas vous comment ça? embêter. C'est quelque chose d'incroyable. Donc, concrètement, comment est-ce que elle fait de l'argent? Bon, elle fait de l'argent comment? Parce que, dans un premier temps, elle a un savoir-faire, c'est-à-dire elle sait quelque chose, comment entretenir son corps, comment faire pour avoir des abdos, etc., etc. Donc, ce savoir-là, elle le transfère aux personnes via des différents programmes qui vont permettre
à toutes les personnes qui ont acheté son contenu de pouvoir s'auto-former eux-mêmes. Voilà, ça fait qu'on ne la modélise pas en termes de temps. Elle a juste une plateforme qui est entièrement automatisée, qui permet de réaliser ses ventes sans même qu'elle ait à obtenir. Ce qu'elle a à faire, c'est faire quoi? Une série de vidéos, faire des posts, interagir avec des personnes et puis finalement, soit leur proposer du contenu en échange de quelque chose. Et tout ce qu'elle fait ici, ce n'est absolument rien d'extraordinaire pour une personne qui, quel que soit l'endroit où il est dans le monde, peut le faire. On disait en Afrique qu'on n'avait pas accès à PayPal et Stripe. Moi, j'ai PayPal et Stripe. Je suis à Abidjan, mais ça m'a coûté un peu cher pour pouvoir avoir tout ça parce que j'ai dû créer une entreprise à l'étranger, j'ai dû payer des adresses virtuelles, j'ai dû payer pour avoir le téléphone, le numéro de téléphone et tout ça. Et je me suis dit, bien, pour une personne qui est en Afrique qui veut se lancer dans ce type de business-là, il n'aura pas forcément le gros budget que moi j'ai dû mettre pour pouvoir avoir accès à tout ça. Par contre, ce que cette personne peut faire, c'est d'utiliser les moyens locaux. Si ça a des vendeurs, enfin, a des clients locaux qui veulent vendre son contenu d'information, il peut utiliser les moyens locaux. Et les moyens locaux, il en existe plusieurs. Mais il y a un particulièrement que j'utilise beaucoup. C'est-à-dire, dans un premier temps, on aura besoin d'une plateforme, par exemple, comme vous le voyez ici sur son site, un site bien fait de cette façon. Je viens sur Sonia comme ça. Le site est multilingue, c'est pas un site qui est super compliqué. Donc, vous voyez le concept, devenir la meilleure version de vous-même, 30 minutes par jour environ, adapté, etc. Donc, c'est un site qui est fait sous la plateforme qu'on appelle Shopify. Tout le monde peut réaliser un site de cette façon sur Shopify. Par contre, la difficulté pour un Africain, ça sera au niveau du moyen de paiement. Par exemple, là, elle peut accepter du PayPal, des cartes bancaires et tout. Mais quand on est en Afrique, ça devient un peu compliqué. On n'a pas accès à PayPal et puis Stripe. Donc, moi, j'ai trouvé une alternative qui s'appelle SynetPay. SynetPay, c'est un processeur de paiement exactement comme PayPal et Stripe et qui vous permet de réaliser plus ou moins les mêmes choses que PayPal et Stripe, à la différence que, ici, vu qu'on a du mobile money qui existe, bah, SynetPay intègre les différents moyens de paiement via mobile money. Donc, c'est quelque chose que j'ai expliqué vraiment long. Ça fait presque 1h30 de formation. Le lien, je vais vous laisser dans la description de cette vidéo. C'est-à-dire juste en bas de moi. Il y a un lien. Vous cliquez sur ce lien. Vous allez recevoir par mail le lien pour pouvoir suivre toute la formation. Elle fait à peu près 1h, 1h30. Je vous explique absolument tout sur comment vous montez votre système avec WordPress, comment vous intégrer les moyens de paiement. Et puis maintenant, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas. Je laisse aussi mes contacts dans la description. Vous pourrez toujours soit m'appeler si vous êtes à Abidjan, si vous êtes dans un autre pays en Afrique. Vous pourrez toujours aussi m'envoyer un WhatsApp. Même si je mets un peu de temps à répondre, ce que je fais, j'ai des périodes où, par exemple, je suis complètement off des réseaux. Mais dès que je me connecte, je réponds à tous ceux qui m'envoient un message. Donc, c'est là vraiment, vraiment la petite vidéo courte que j'avais voulu faire ce matin pour expliquer ce que c'est que le business en ligne. Bon, en gros, moi, je sais que à Abidjan, par exemple, on a Edith Pro, on a Jean-Patrick Leoumans, ça, je cite pêle-mêle, et puis on a plein d'autres influenceurs, Zounon, il y a plein de personnes. Tout cela, ils réalisent, en fait, du contenu. Leur contenu, en fait, ils monétisent ce contenu avec des partenariats, avec des grandes marques qui ont besoin de visibilité. Mais moi, je me dis, bon, souvent, on n'est pas forcément crédible parce que tout ce que tu vas faire maintenant comme contenu, ça sera plus ou moins forcé pour que ça soit adapté à la communication de la marque en question. Et pour le moment, ça marche, mais il va arriver un moment où les gens vont commencer à se dire, oh, c'est un placement de produit, c'est pas un truc, les gens vont commencer à ne plus te suivre. Alors qu'il y a une autre façon de faire en sorte de partager en fait son savoir en échange d'une forme de rémunération. Voilà. Donc, en proposant par exemple des e-books, du contenu thématique sur le sujet dont on parle sur nos différents réseaux, ça peut nous envoyer en fait, à pouvoir vivre de ce contenu qu'on produit là. Donc, en l'occurrence, comme je citais, il y a Priscanade que je suis depuis plusieurs années qui fait la même chose. Mais elle, par exemple, quand elle propose, par exemple, le coaching, pour prendre le coaching, c'est il faut que les gens payent par Orange Money, etc., etc. Voilà, bon, pour Edith, je sais que dans le temps, des personnes lui envoyaient des CV qu'elle pouvait proposer au cas où on lui demandait si elle ne connaissait pas un tel ou un tel. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle dit? Ok, maintenant, tu veux que je mette ton CV en avant, il faut me faire un dépôt Orange Money ou tout ça. Bon, honnêtement, ça ne fait pas vraiment, vraiment chose, mais elle, c'est son business. Mais je me dis, par exemple, elle est experte en marketing, en communication digitale et tout ça. En fait, elle pourrait
faire un contenu, un blog où elle parle vraiment de comment, par exemple, faire du marketing de contenu lorsqu'on est en Afrique. C'est un sujet à thématique très intéressant et très important. Et vu qu'elle a une expertise et qu'elle est reconnue pour cela, donc elle pourrait mettre, par exemple, en ligne une formation, soit un e-book, soit une formation vidéo, ou bien quelque chose qui va dans ce sens. Et puis, soit elle propose une partie en freemium, c'est-à-dire les personnes peuvent venir, ils n'auront pas toute la formation, mais une partie de la formation. Et pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, ils pourraient éventuellement payer pour avoir accès à ce contenu-là. Voilà. Donc, il y a plein de personnes aujourd'hui, à ce jour. Moi, par exemple, je n'ai pas 100 000 followers ou bien combien de followers. Mais l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir en fait une cible qui est très qualifiée, qui, lorsque se connecte à mon contenu et qui a envie d'aller beaucoup plus loin, soit capable de payer pour pouvoir avoir accès à ce contenu qui, lui, sera, par exemple, payant. Voilà. Je mets généralement des montants forfaitaires. Je sais qu'il y a des gens qui paient des formations à plus de 500, 600 000, j'en fais partie parce que pour pouvoir créer mon entreprise aux États-Unis, j'ai dû dépenser de l'argent, non seulement pour la formation, c'est parce que c'est pas un contenu que tu peux trouver partout sur Internet. Voilà, pour pouvoir créer une entreprise aujourd'hui aux États-Unis, il y a plein de systèmes qu'on doit utiliser et souvent c'est en anglais. Si tu ne parles pas anglais, ça peut être un peu compliqué pour toi, mais mieux si tu n'as pas ce savoir-faire, ça devient super, super compliqué. Donc, j'ai dû me former en payant d'autres formations parce que ces formations m'apportaient de la valeur. Donc, maintenant, par exemple, je propose aussi des contenus qui sont vraiment payants. Pour ceux qui ont envie de, par exemple, réaliser ce type de système avec WordPress, j'explique ma méthode dans la formation dont le lien est dans la description. Et vous cliquez dessus, vous renseignez vos adresses e-mail et puis vous allez recevoir sur cet e-mail-là le lien pour pouvoir suivre la formation qui fait entre 1 heure et 1 heure 30 complètement gratuitement, qui vous explique en long et en large comment faire de l'argent avec votre contenu. Voilà, c'était pour ma vidéo de ce jour. Je vous dis merci encore de l'avoir regardé. Puis, aidez-moi à faire grandir cette chaîne. Voilà, par exemple, en likant et puis en partageant le contenu que vous voyez ici. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Comme je vous l'ai dit, je laisse mon WhatsApp. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les poser. Merci et puis, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.